Bonjour, aujourd'hui, je voudrais me pencher avec vous sur la question de l'Europe de l'Est. Ça fait 30 ans que le socialisme a été éliminé et que le capitalisme a remplacé. C'est peut-être le moment de faire un bilan. Je ne suis pas un spécialiste de l'Europe de l'Est, on ne peut pas être spécialiste de tous les thèmes, mais je crois qu'en tant que citoyen, il y a quand même des questions importantes à se poser. Comme tout citoyen, comme tout consommateur de médias. Et quelle est l'image que nous, on a de l'Europe de l'Est? Ben, on a ces camionneurs, qu'on voit des files et des files de camions sur nos autoroutes de plus en plus. On sait que ces gens-là vivent 6 semaines dans leur camion, loin de leur famille, dorment dans leur camion pendant 6 semaines. Mais est-ce qu'on leur a parlé? Est-ce que on sait comment, pourquoi sont venus les gens qui travaillent dans la construction, dans les cafés, dans les soins de santé. Et évidemment, on voit ici en Europe occidentale les problèmes causés, c'est-à-dire que clairement, on les a importés pour les faire travailler moins cher, peser sur les salaires et dégrader les conditions de travail des gens ici. Augmenter en fait le chômage et la peur du chômage. Et donc, ce qui est à se demander, c'est de l'autre côté, comment ça se passe? Là d'où ils viennent, comment ça se passe? On entend bien qu'en Allemagne de l'Est, l'extrême droite monte très fort. Pourquoi? Et en fait, ce que j'ai découvert dans quelques lectures récentes, c'est qu'il y a eu un exode incroyable en Europe de l'Est. Je prends les chiffres de la Bulgarie. C'était un pays de 8,7 millions d'habitants. Ils ne sont plus que 7,1 millions. Ils ont perdu 20% de leur population. Et en 2050, selon les stats de l'ONU, il ne devrait plus y avoir que 5,4 millions. Et donc là, ça veut dire qu'il y a des villes abandonnées. Il y a des usines qui ont été complètement fermées et dans ces villes, il reste que des vieux. J'ai vu une photo qui montre un peu ça, la ville de Altimir en Bulgarie. Et il y a une vidéo sur YouTube que je vous recommande d'aller voir si vous faites les mots Altimir et Bulgaria, le pays qui s'est le plus vite effondré. C'est sous-titré, c'est une courte vidéo, ça montre vraiment les vieux complètement abandonnés, l'économie qui a été détruite. Et donc, il ne faut pas croire que c'est seulement la Bulgarie, c'est un cas extrême. En Lettonie, j'ai vu que 27% de la population est partie. En Roumanie, ils étaient 23 millions, ils sont plus que 19 millions et demi. En RDA, donc l'Allemagne de l'Est, il y a 2 millions de gens qui sont partis. Et la question, c'est qui part? Ben, c'est essentiellement les jeunes et les diplômés, ceux qui ont une chance de trouver une place à l'Ouest, ceux dont justement leur pays a le plus besoin. Et en Roumanie, par exemple, les trois quarts des gens qui partent ont moins de 35 ans. Et donc, en Roumanie, pour vous donner un exemple de profession, il y avait, quand la Bulgarie était socialiste, 800 000 médecins. En 2008, il y a une dizaine d'années, ils étaient 630 000. Et maintenant, ils sont 320 000. Donc, on est passé de 800 000 médecins à 320 000 médecins. Évidemment, ça pose de grands problèmes, que vous imaginez. Et en Europe de l'Est, on entend surtout parler de Orban, le responsable de la Hongrie, qui fait toute une propagande, démagogie raciste contre les migrants. On a déjà parlé de ça, je ne vais pas y revenir. Mais le vrai problème, c'est l'exode dans le pays d'Orban lui-même. Il y a beaucoup plus de gens qui quittent la Hongrie depuis qu'Orban est au pouvoir qu'ils n'en étaient quittés lorsqu'il y a eu la guerre civile et l'intervention en 1956. Et on n'en parle absolument pas. Et ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui partent. En fait, en RDA, deux tiers des personnes qui ont émigré après la chute du mur, c'était des femmes. Et dans une ville comme Gloubitz, en Saxe, où l'AfD et les fascistes font une percée spectaculaire, il y a quatre hommes pour une femme dans cette ville. Quatre hommes pour une femme. En fait,
La question à se poser, c'est qui a organisé ça? Comment ça se fait qu'on a détruit ces économies et qu'on a fait venir des millions de gens ici? Le type qui a organisé ça, c'est Bolkestein, néerlandais, qui était commissaire de la Commission européenne il y a une quinzaine d'années. Et il a pris un décret pour organiser l'importation de main-d'œuvre qu'on allait pouvoir faire travailler chez nous à des salaires de là-bas, donc beaucoup plus bas, et que les entreprises d'ici allaient se faire énormément de fric sur ce genre de main-d'œuvre. Bien entendu, bon, ce n'était pas une idée de Bolkestein tout seul, en réalité, c'était l'Union européenne qui a décidé de faire un cadeau gigantesque au patronat des multinationales en Europe occidentale pour leur permettre de faire plus de profits et d'être encore plus dans la compétition avec les États-Unis, le Japon et d'autres pays. Et on voit maintenant les conséquences catastrophiques sur la dégradation des conditions de travail dans nos pays, la déglingue de l'économie dans les pays d'origine, et qu'est-ce qu'on fait? On continue. Le cas de l'Ukraine, où il y a eu toute une offensive des États-Unis, de l'OTAN, de la CIA, on en a déjà parlé, pour installer, avec l'aide de groupements fascistes antisémites, entre parenthèses, j'en ai déjà parlé aussi ça, pour installer un nouveau pouvoir et exterminer l'économie locale. On a donc mis au pouvoir le fameux Poroshenko, que le président, que vous voyez ici en compagnie d'un célèbre comique français. Et Poroshenko, sous la période Poroshenko, qui est la grande idole de Macron et de toute l'Europe occidentale, sous les 5 années de cette contre-révolution en Ukraine, la population, qui compte 44 millions, il y en a 11% qui travaillent à l'étranger. Le salaire moyen est de 345 euros. Et le taux de pauvreté, les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, est passé en 5 ans à peine de 15% à 25%. C'est véritablement une très très grande catastrophe économique. Poroshenko a bénéficié de toutes sortes d'aides des États-Unis et de l'Europe. Dans les poches de qui est-ce que c'est allé? Ben, uniquement des multinationales qui font maintenant de bonnes affaires là-bas pendant que le pays est dans une situation catastrophique. Alors ça pose la question de quand l'Occident, Europe, États-Unis, prétend aider des pays qui sont là-bas, en quoi ça consiste vraiment? Et j'ai tout à l'heure parlé de la RDA, donc de l'Allemagne de l'Est, qui avait été rattachée très très brutalement, ça s'est passé à toute allure, par l'Allemagne de Helmut Kohl, et j'en ai tiré une analyse d'un très très bon article de Erwig Le Rouge, ici en Belgique, dans la revue Études Marxistes, il y a quelques années, et il a analysé qu'est-ce qui s'est passé en RDA, en très très peu de temps. Le saccage, la démolition véritablement d'une économie. On nous a dit, oui, c'est une économie qui est vieille, ça ne produit plus rien, ils sont endettés, il faut moderniser tout ça, avec l'Allemagne de l'Ouest, ça va aller beaucoup mieux. En réalité, ce n'était pas une économie tellement inutile et en faillite. Il y avait des problèmes de productivité, il y avait un problème de sous-investissement, on verra pourquoi. Mais quand on nous a sorti ce grand discours, on a en fait caché le fait qu'il s'agissait pour les multinationales allemandes de l'Ouest de venir faire leur marché, faire leur shopping là-bas et augmenter leurs profits. Et donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y avait donc eu une révolte populaire qui avait renversé le gouvernement de la RDA, mais les militants qui étaient à la base de cette révolte en 89 sont allés auprès du premier ministre qui s'appelait Modrow à l'époque, il y avait une coalition de tous les partis existants en RDA, c'est plus seulement le parti communiste, et ils ont dit, voilà, on veut qu'on garde une propriété collective pour les citoyens de nos entreprises en Allemagne, on y tient.
Donc c'est intéressant parce qu'en fait, ils n'étaient pas pour le passage au capitalisme, ils étaient beaucoup d'entre eux pour améliorer la société qui existait, mais ne pas supprimer les choses intéressantes qu'il y avait pour la population, du niveau de vie, de la sécurité sociale, des crèches, de la culture gratuite, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça s'est passé en toute allure. Entre la fin de la RDA, il s'est passé 3 mois, et le Premier ministre Helmut Kohl d'Allemagne à l'époque, Helmut Kohl a ordonné que on mette complètement en faillite et en liquidation l'économie de la RDA, et il a promis qu'avec la Treuhand, qui était donc l'organisme chargé de la privatisation, il a promis qu'on allait en faire un paysage florissant. Alors on a eu une armée de professeurs de l'Allemagne de l'Ouest qui se bousculent sur les plateaux de télé pour dire que la privatisation va sauver les citoyens de la catastrophe et que l'économie de la RDA ne valait rien. En réalité, ça n'était pas du tout, il y avait l'avis de la propagande à la télé, mais ce n'était pas du tout l'avis d'une équipe de prospection de la banque Schroeder, qui est allée en Allemagne déjà en RDA en février et qui a dit, je cite, les participants à ce voyage sont enthousiastes, c'était donc les grandes entreprises multinationales allemandes, les trois quarts des participants ont l'intention ferme d'acheter des entreprises en RDA, ils pensent qu'en 10 ans maximum, les affaires seront très rentables. Et donc, on a eu la ruée vers l'or, vraiment. Les grandes firmes de la chimie, de la métallurgie, les banques, ont constitué en fait ce comité de privatisation et de sauvetage de l'économie et ils se sont tous servis. 87% des entreprises privatisées ont été vendues à des groupes ouest-allemands. Certains les ont simplement rachetées pour les fermer, pour éliminer des concurrents ou pour spéculer sur les terrains immobiliers importants. Et donc, on a détruit les 5 000 travailleurs de Pentagone ne produisaient plus aucune caméra. Il n'y avait plus de camions. Kruppstahl a racheté un laminoir et l'a fait fermer. Une usine d'installation de chauffage qui comptait 1850 travailleurs, un gros exportateur de centrales électriques, a été mise en faillite et complètement liquidée. La plupart du temps, la Treuhand demandait seulement une marque symbolique pour les entreprises. Et même, en fait, les entreprises ne payaient pas grand-chose. On les aidait avec des subventions, avec de soi-disant frais d'investissement. Et ça a été vraiment une OPA pour liquider l'économie de l'Europe de l'Est, qu'il ne s'agissait pas d'aider, mais qu'il s'agissait d'éliminer. Il y a eu donc l'industrie, on a liquidé des entreprises métallurgiques importantes comme ceci. Des firmes comme Siemens se sont servies largement, ont éliminé leurs concurrents. Il y a eu aussi les entreprises de la spéculation immobilière. Et alors les banques allemandes, ont racheté toutes les banques publiques de la RDA pour une somme ridicule de 412 millions d'euros. Et en contrepartie, elles ont reçu des créances immobilières de 10 milliards, les créances des coopératives agricoles de 4 milliards. Et la Deutsche Bank a raflé 2 tiers des filiales des banques publiques là-bas. Et donc, on n'a pas privatisé, tout supprimé, mais dans le meilleur des cas, les entreprises privatisées perdaient leur indépendance et devenaient des filiales. Et donc, quand les affaires marchaient moins bien pour les multinationales occidentales, ben c'est la filiale en RDA qu'on fermait. Il y a eu beaucoup de fermetures dans les premières années. Et il y avait un effet pervers aussi, c'est qu'évidemment, comme ces entreprises étaient devenues des filiales, elles ne payaient plus de taxes. Et donc, les infrastructures, elles ne payaient plus de taxes dans leur commune, dans leur municipalité. Et donc, les infrastructures allaient à volo. Donc, ça a été vraiment une liquidation gravissime et le résultat tout à fait prévisible et normal a été le développement massif du chômage. On avait 4 millions d'Allemands qui étaient salariés dans les entreprises qui sont passées sous la coupe de cette association de Treuhand, de la privatisation, et la Treuhand a détruit 2,5 millions d'emplois. 2,5 millions d'emplois ont été détruits. C'est vraiment un cataclysme, un tsunami. Et à la fin 91, après 1 an et demi à peine, l'industrie d'Europe de l'Est ne produisait plus qu'un tiers de sa production. Les exportations s'étaient effondrées.
Par contre, les firmes ouest-allemandes avaient doublé, triplé leurs exportations vers les mêmes régions. On a donc eu 4,1 millions d'Allemands de l'Est qui ont émigré en une quinzaine d'années, et on estime qu'il y a 1,3 million de maisons inoccupées. Alors, vous me direz, oui, mais l'Allemagne de l'Ouest a payé pour ça, elle a voulu aider l'Allemagne de l'Est. Non, ce n'est pas toute l'Allemagne de l'Ouest qui a aidé, c'est le contribuable en fait qui a payé. Les entreprises ne payaient rien, et un directeur de la Treuhand, je cite, a expliqué que aucune grande banque allemande n'a risqué le moindre marque, tout était garanti par l'État. Et un autre directeur disait dans son journal, personne ne se gêne, personne n'a de scrupule à dévaliser les caisses de l'État, c'est bien ça qu'il s'agit. Et donc les entreprises privées se sont servies gratuitement dans les caisses de l'État en Allemagne de l'Ouest et en Allemagne de l'Est. Il y a eu des corruptions et des scandales dont certains ont éclaté. Par exemple, Vogel, le président du géant industriel Thyssen, a escroqué, il a détourné 36 millions d'euros en surfacturant la formation des salariés. Il y a un groupe de chantiers navals de la Baltique, Bremervulkan, qui a détourné 350 millions d'euros de subventions pour les utiliser en fait pour ses filiales d'Europe de l'Ouest. Corruption, je disais, et Helmut Kohl n'était pas vierge dans cette histoire. Un scandale a été révélé par le parquet de Sarrebruck qui a fait une enquête et qui a constaté que la firme française pétrolière Elf avait acheté une entreprise Minol de la RDA, pardon, qui était une raffinerie et 9 stations-service. Elle avait payé ça 20 milliards de francs français et le parquet a été intrigué parce qu'il y avait une enveloppe qu'on ne trouvait pas, 340 millions de francs français. Et finalement, on a découvert que c'était parti dans les caisses noires de Helmut Kohl, le Premier ministre lui-même, pour favoriser son parti. Et cette chose-là avait été organisée par Mitterrand, qui avait persuadé Loïc Le Floch-Prigent, le PDG de Elf, qu'il fallait aider Helmut Kohl. Et donc Mitterrand a aidé à la caisse noire d'Helmut Kohl. Ce climat de corruption et de scandale ne doit pas surprendre parce que la Treuhand avait carrément accordé l'impunité. Il y avait une loi, tout ce que les dirigeants ouest-allemands allaient faire en Allemagne de l'Est, il pouvait y avoir aucune poursuite pénale, c'était l'impunité. Et on aura aussi remarqué que 80% des documents qui étaient transmis par cette commission, par le ministère des Finances, portaient la mention secret d'État. Donc c'est vraiment un vol qui a été très très bien organisé et protégé. Et cette chose-là a été dénoncée par le plus grand romancier allemand Günter Grass, qui a publié un livre qui s'appelle Toute une histoire. J'ai lu ça, c'est long, c'est très long, mais c'est formidable, c'est vraiment très très impressionnant. Et dans ce livre, Günter Grass explique en réalité comment on a vraiment, je cite, les chasseurs de bonnes affaires venus de l'Ouest se sont jetés sur l'Est pour éliminer la concurrence des entreprises de l'État. Günter Grass a eu des problèmes, il n'a pas été très bien vu quand il a publié ce roman parce qu'il avait craché dans la soupe, mais c'était son honneur de romancier de dire la vérité. Et donc, vous allez me dire, mais comment est-ce que tout ça a pu passer? Comment est-ce que tout ça est passé inaperçu? Eh bien, grâce au contrôle des médias, encore une fois, les entreprises ouest-allemandes, il y a des très gros groupes là-bas, Bertelsmann qui possède tous les magazines Burda et des groupes de presse, etc. Ils se sont rués sur toute la presse est-allemande. Ils ont fait aussi des affaires totalement gratuites. Das Volk, par exemple, le quotidien principal en Allemagne de l'Est, a été racheté pour 1,5 million de Deutsche Mark alors que sa valeur était estimée à 90 millions. Bertelsmann a acheté tous les quotidiens de l'Allemagne de l'Est et 4 des 6 quotidiens, excusez-moi, et toutes les équipes de la rédaction qui avaient été élues par des comités populaires pendant la Révolution, tous ont été licenciés.
Et donc, la mainmise très rapide sur la presse et l'audiovisuel en RDA a été achevée par les grands patrons des multinationales. Et donc, j'avais dit au début, on nous racontait, je me souviens de ces discours à la télé, l'économie de la RDA est en faillite, il n'y a plus rien à faire, il faut juste faire table rase pour les aider. Et donc, ce n'était pas vrai. La RDA était le 9e, au 9e rang des pays de la communauté comme puissance économique, devant l'Espagne. Elle exportait beaucoup. Et donc, c'était une économie vieillie qui aurait eu besoin d'investir plus. Mais on l'a vraiment mise en faillite du jour au lendemain avec un truc très simple. Il y avait un taux de change du Deutsche Mark de l'Ouest contre le Deutsche Mark de l'Est. Il fallait 1 marque de l'Ouest pour acheter 4,44 marques de l'Est. Et du jour au lendemain, on a décrété que 1 marque valait 1 marque. Alors, très bien. Mais en réalité, pour les entreprises de RDA, c'était une catastrophe. Parce que ça veut dire qu'une voiture qui était produite pour un prix, mettons, de 20 000 dollars, devait être vendue 80 000 dollars, évidemment. En un seul jour, toutes ces entreprises de l'Est ont perdu leur marché en Allemagne de l'Ouest et aussi en Allemagne de l'Est. Et ça, c'était intéressant. Et donc, le fait est que les entreprises de l'Allemagne de l'Ouest ont tiré un très très grand profit de cette opération qui était payée par le contribuable, mais elles ont gagné beaucoup. Dans les années 90, il y a une récession qui commençait. Et le chef de Siemens a déclaré, nous devons l'essor économique des années 90 à la réunification. Aux États-Unis, il y avait la récession, chez nous, cela allait très bien. Et un autre dirigeant allemand de la Banque centrale, celui-là, a déclaré qu'en fait, le capital allemand s'est tellement renforcé que c'est ça qui lui a permis de devenir absolument incontestablement la force dirigeante dans l'Union européenne avec les conséquences qu'on sait. Donc voilà cette étude de Herwig Lerouge dans la revue Études marxistes il y a quelques années m'a appris énormément de choses. Ce sont des lectures qu'on ne retrouve évidemment pas dans les grands médias quand on nous parle de l'Allemagne. Et Herwig Lerouge insistait sur le fait qu'il y a toujours deux Allemagnes et que en fait tout ça est devenu une catastrophe pour les populations là-bas. Donc, il y a pour moi des leçons à tirer de cette affaire de l'RDA. Vous allez dire, c'est une vieille histoire, on n'y peut plus rien. Non, non, il y a des leçons à tirer parce que, il y a quelques semaines, j'ai montré comment les États-Unis sabotaient l'économie du Venezuela. En reprenant le modèle qui avait été appliqué en 1970 contre le Chili d'Allende, qui avait permis de préparer un coup d'État fasciste et de remplacer le président Allende élu par le militaire fasciste Pinochet, avec des conséquences catastrophiques pour la population, torture, assassinat, etc. Et un énorme écart de pauvreté, puisqu'évidemment, on a importé tous les Chicago Boys, tous les économistes néolibéraux, pour transformer l'économie du Chili et détruire tous les acquis sociaux. Et donc, il y a des leçons importantes. Quand une économie aujourd'hui essaye de, quand un pays essaye de développer sa propre économie au service de ses citoyens, au service de ses intérêts, elle va se retrouver sabotée. Alors la RDA avait une économie qui n'était pas si mal que ça, selon les critères de fournir du travail, fournir un revenu, avoir une stabilité sociale, avoir aussi beaucoup de services sociaux à la population. Bien entendu, il y avait un problème de liberté individuelle en RDA. Le mur, c'était pas quelque chose de très favorable, de très intéressant. Il faut savoir pour le contexte que les États-Unis ont essayé d'organiser un exode systématique de toute la population. Très formés, les scientifiques, les techniciens, les professions spécialement formées, ils ont essayé de les attirer en provoquant, en leur proposant des salaires 10 fois plus. Le but était clairement de couler l'économie de la RDA. La riposte, pas forcément la plus intelligente, a été de construire ce mur et ça n'a fait qu'aggraver les problèmes. Et évidemment, il y avait de grands problèmes de bureaucratie dans cette économie, mais la question qui se pose est la question
Comment un pays qui est plus petit, qui est plus faible, peut décider, peut arriver à organiser sa propre économie au service de ses citoyens dans un monde qui est complètement dominé, où il se retrouve encerclé par la puissance énorme des États-Unis et de l'Europe? Comment résister à cet encerclement? Comment ne pas avoir son économie complètement sabotée? Et là, je crois, et ce sera ma conclusion, je crois que ces expériences doivent nous faire réfléchir. C'est-à-dire, je crois que quand les États-Unis essayent de saboter l'économie du Venezuela aujourd'hui, ou une autre économie, je crois qu'on a besoin d'une riposte très forte dans le pays lui-même. Et là, je trouve que Maduro et le peuple vénézuélien ne se laissent pas faire. Mais on a besoin aussi de beaucoup plus de solidarité internationale avec le pays qui a agressé et saboté. La solidarité internationale, il n'y en a pas du tout assez. Ça, pour moi, c'est fort clair. Et donc, on devrait réfléchir là-dessus. On devrait avoir des manifestations contre ce sabotage économique. On devrait avoir des boycotts des firmes des États-Unis qui sont complices et qui organisent ça, des boycotts des consommateurs. On n'achète plus leurs produits. On devrait avoir des pressions. En France, les dirigeants d'extrême droite, fascistes, agents des États-Unis de cette soi-disant opposition vénézuélienne, pas toute l'opposition dans ce cas-là, mais ceux qui sont au service des États-Unis pour renverser le gouvernement et faire contrôler le pays par les multinationales, ont été reçus à l'Élysée par Sarko, par Hollande, par Macron. C'est des bandits, c'est des gens d'extrême droite. Il devrait y avoir une pression beaucoup plus forte là-dessus. Et je crois qu'on devrait avoir toute une pression organisée, une mobilisation pour obliger, quand les États-Unis font des sabotages criminels comme ça, comme je l'ai montré il y a quelques semaines, on devrait avoir une pression en Europe qui oblige les gouvernements de l'Union européenne à prendre leur distance et à rejeter ce sabotage. Voilà, ça, c'est pour moi des leçons importantes. La solidarité internationale, ça commence par la critique des médias mensonges. C'est à ça que sert Investigation, c'est à ça que sert l'émission Michel Midi. Je pense que si on n'a pas cette solidarité internationale, aucun pays ne pourra arriver à développer une économie au service de ses citoyens et échapper à la mondialisation des multinationales. Donc je crois que c'est vraiment une réflexion. Il y a la Chine, évidemment, qui elle a une telle puissance qu'elle peut se permettre de dire zut et pire aux États-Unis et à l'Europe et de dicter ses conditions. Mais bon, la Chine, c'est une exception pour plusieurs raisons dont j'ai parlé. Et je crois que donc on doit vraiment réfléchir on a un devoir de solidarité avec ces pays-là. Je regarde parmi vos interventions et vos questions. Pelavo dit le chômage est inévitable. Non, le chômage, il est organisé par la classe dominante, parce que si tout le monde a du travail, évidemment, on va dire, mais moi je ne me satisfais plus d'un salaire de misère qui fait de moi un gilet jaune, je veux un salaire décent. Et le chômage est justement organisé pour que les gens soient obligés d'accepter n'importe quel salaire, n'importe quel travail. Le chômage, il est vraiment organisé. Il ne faut pas croire que les gouvernements luttent vraiment contre le chômage. Et ils luttent pour que dans les statistiques, il y ait beaucoup moins de chômeurs et qu'ils puissent dire aux élections, regardez, on a supprimé le chômage. Non, vous n'avez pas supprimé le chômage, vous avez supprimé des chômeurs, des allocations. C'est tout à fait différent. Et en fait, j'aborde cette question du chômage et de la raison du chômage dans mon livre Pourquoi Soral séduit. On pourra y revenir une prochaine fois si vous le souhaitez. Des amis d'Alger qui nous saluent. Bien. L'Union européenne n'est-elle pas une vaste entreprise de sabotage? L'Union européenne est clairement, on va en parler dans un prochain midi, l'Union européenne est clairement, c'est pas quelque chose qui est différent des différentes bourgeoisies nationales en Allemagne ou en France. C'est en fait les mêmes, sous un autre nom, avec d'autres casquettes, qui se coordonnent pour justement soumettre les pays plus faibles et les exploiter encore mieux. Erwick Lerouge avait publié cet article sur les privatisations et le vol de l'économie en RDA au moment où l'Union européenne était en train de menacer la Grèce et de dire vous ne payez pas vos dettes, faux problème d'ailleurs, mais on va donc privatiser vos entreprises et on va se servir nous-mêmes, ce qu'ils ont fait, ce qui a évidemment aggravé la situation en Grèce. Voilà,
Je vous remercie pour vos questions. Je signale que nous avons à Paris le 4 mai, je vous montre l'affiche, le 4 mai, une grande séance, médiabolisation des gilets jaunes. Il y aura une expo photo, il y aura des ateliers sur les médias. Vous pouvez envoyer des vidéos sur ce que vous avez vu, les faits auxquels vous avez assisté et la manière dont les médias l'ont couvert. Il y aura des ateliers participatifs sur l'analyse des médias et il y aura un grand débat que je vais animer avec François Bouleau et Priscilla Ludowski, Gilets jaunes, avec Robert Charvin, auteur d'un livre La peur arme politique, avec Étienne Chouard, militant contre la Constitution européenne et pour le RIC. Et ce sera dans l'affiche que vous pouvez retrouver sur notre site aussi et sur Facebook. C'est donc à Paris, Espace Miguel, le samedi 4 mai de 12h30 à 18h. Si vous voulez plus d'infos, écrivez-nous à Michel Midi, dont je vais faire apparaître l'adresse mail tout de suite. Envoyez vos questions. L'équipe de Paris va essayer de faire de cet événement du 4 mai un grand succès populaire et donc on compte sur vous pour aider à mobiliser, mais aussi à organiser toutes les choses pratiques de la séance. Et donc, si vous pouvez nous donner un coup de main, écrivez à l'adresse qui va apparaître sur votre écran et je vous la transmettrai à l'équipe de Paris qui est très sympathique et qui fait tout ça. Voilà. Je vous remercie pour votre patience. Je remarque que certains ont trouvé que le son était un peu faible. Excusez-moi, j'étais un peu souffrant. Et donc, la voix n'était pas très forte. On fera mieux la prochaine fois. Je vous remercie pour votre intérêt et pour votre résistance à la pensée unique. Voici l'adresse dont je vous avais parlé. À la semaine prochaine.